L'été est bel et bien la saison des amours. Il y a quelques jours, Marc Lavoine et Adriana Carambeu ont été photographiés main dans la main, se câlinant et s'échangeant de tendres baisers. Et si la célèbre top modèle a fait le premier pas, il n'a pas fallu longtemps pour que l'interprète du tube Elle a les yeux revolver ne tombe sous son charme. En effet, le chanteur de 61 ans, qui a eu vent des confidences faites par Adriana Carambeu sur lui dans l'émission 50 Inside, a craqué pour la belle blonde. Toutefois, à en croire des révélations publiées dans les colonnes de Voici, Marc Lavoine souhaiterait prendre son temps dans ce début de relation. Pour le moment, le chanteur français refuse que sa nouvelle petite amie vienne dormir chez lui. En effet, on découvre dans le magazine People que c'est toujours dans l'hôtel où séjourne Adriana Carambeu qu'il passe la nuit. Mais il y a une explication à cette décision. La top modèle n'est pas invitée au domicile de Marc Lavoine parce que Roman, le fils de ce dernier âgé de 17 ans, y vit. Marc Lavoine et Sarah Poniatowski, qui ont partagé leur vie durant 20 ans, ont eu deux autres enfants ensemble, Yasmine, née en 1997, et Milo, en 2010. Malgré cette histoire d'amour vécue uniquement à l'extérieur, leur vie privée ne semble pas être impactée. Le 20 juin dernier, peu après les obsèques de Françoise Hardy, Marc Lavoine a aussitôt retrouvé sa nouvelle chérie devant le restaurant gastronomique L'Atelier Robuchon. Deux jours plus tard, les amoureux se sont promenés main dans la main devant la Monnaie de Paris, s'enlaçant, échangeant des regards tendres et plusieurs baisers volés. Pas de doute, Marc Lavoine et Adriana Carambeu vivent le parfait amour. Pour rappel, Marc Lavoine était un cœur à prendre depuis son divorce avec Line Papin, datant d'il y a 2 ans. La même année, en 2022, Adriana Carambeu avait également mis un point final à sa relation avec Aram Ohanian, le père de sa fille Nina.